Sur la tempe. Mais quand le coup de feu va partir, je vais arrêter de trembler pour de bon. Ma mort va avoir le dessus sur la Parkinson. L'homme avec un fusil sur la tempe, c'est moi. Je m'appelle François Brochu, mais tout le monde m'appelle Boss, parce que je suis le propriétaire du gaz-bar. Mais moi, je sais que je suis l'esclave de mon commerce. Depuis que ma femme est morte, j'essaie de garder ma famille ensemble autour du gaz-bar. Ici, mes enfants sont pas heureux. J'aurais dû l'amener bien avant le hold-up. Ça fait déjà un bout de temps que tout va de travers. Le hold-up, c'est simplement le début de la fin. Short de combien tantôt? Là? 42,20. Là, on est short de 46. Hey, là, c'est assez, là. Je vais régler de ma poche, puis on n'en peut plus. Non, mais t'as pas laissé de l'argent dans les poches de ton veston, toi? Je suis fatigué, les gens. Regardez un petit peu de télé. Fancy, mais c'est juste en maudit.
Ouais, il l'avait, le bonhomme. Étude Boogie. Étude Boogie. Oh non, petit. Étude Boogie. Guy, étude Boogie. Guy, réponse donc, là. Guy, étude Boogie. Étude Boogie. Oui. Étude Boogie. Étude Boogie. Étude Boogie. Guy, étude Boogie. Guy, calvaire, pas matin. Étude Boogie. Étude Boogie. Penses-tu que ça change de nom parce que c'est toi qui joue? Enfant malade dans la lune. Il y a ta sœur qui attend au pont. Salut. Salut. T'en as eu combien? Fais-en 10. 10. J'ai fait un lunch pour papa puis aller. Quand est-ce que tu passes nous voir à la maison? Je passe des fois, mais vous êtes jamais là. Toi, quand est-ce que tu viens me voir à mon appart? Je roule encore dans ta petite auto pour enfant. Bonjour, M. Savard. Vous voulez vous faire un tour? J'ai jamais de la vie, c'est un crème. Je veux bien savoir de vos petites autos importées. C'est petit, tu peux même pas faire d'accident. Même avec un gun sur la tempe, j'embarquerai pas dans ces cercueils-là. Ça pollue moins que votre gros paquebot? Tu crois ça, toi? Maudit que t'es naïve, la jeune. Voyons donc, c'est des histoires pour nous fourrer, ça. C'est comme quand ils ont changé pour l'élite, là. Je comprends plus rien là-dedans. C'est rendu qu'il faut faire des divisions du VRA pour savoir combien ça fait en gallon. Faites-vous-en pas qu'ils ont pas enlevé le système impérial pour rien, hein? Ça fait leur affaire qu'on comprenne rien. Là, ils s'en collent-tu de la pollution entre toi et puis moi? Vous autres, les enfants du boss, vous avez bien de l'éducation, mais pas de jugement, pas en tout. Allez-vous me faire mon changement d'huile pareil? Jamais dans 100 ans. J'ai apporté toutes les affaires que vous m'aviez demandées.
Montre-moi dans ça. Les bougies. Un filtre à l'huile. Puis votre paye. Sacrement français. C'est rien qu'eux autres qui mettent la roue de secours dans le moteur. Laisse plus de place pour travailler. Je peux-tu vous aider? Non! Va me chercher trois pains d'huile en arrière. Hop, excusez-moi, monsieur Michaud. Pas de trouble, Nathalie. Bien. C'est Guido. Ouais. Vous pissez dans le lavabo? Des fois. C'est dégueulasse. Il faisait couler l'eau chaude. Oui. C'est correct. Ah, OK. C'est super hygiénique. Je le prends, je le prends. OK. Bon, ben, salut. Je vais rentrer tard, je vais enlever la soie. Ben, tu cours pas trop, là? Non, non. Super, veux-tu, s'il te plaît, m'arrêter ça? Ça part tout seul. Je le sais, mais tu peux pas passer le restant de tes jours à lancer des balles imaginaires. Hein? Il est mort. Guy, parle-moi pas de tes genres, c'est ce que j'en pense. Oui, Claude, s'il vous plaît. Tabarouette, tu connais le numéro de la SCAR par cœur. Oui, Claude, c'est Guy du Gasbar. Combien tu me donnerais pour mon Chevrolet? Là, comment ça tu vas me charger? Fais l'avenir, t'as avancé de l'argent. Je veux pas qu'il moisisse sur le terrain comme ton datine. Bon, peux-tu venir tout de suite? Je vais aux toilettes. Tu mal ton temps pour aller fumer en cachette. Là, tu fumes pas, là. Ah, OK. Ben. Là, il y en a même pas loin d'une, là. Moi, j'en mettrais. Non, quand il y en a trop, là, ça force les gasquettes. Non, prochain blind, par exemple. La suspension est finie, Chris. Regarde, on a tellement monté, c'est pas vrai. J'ai tout refait au poté. Non, mais regarde en dessous, est-ce que regarde les chocs qui tiennent avec la broche, Chris. La tête à gaz couille.
Ouais. Ouais. Okay. Pas la différence entre battre son char et rincer. Hey, j'aimerais ça prendre un portrait de vous autres. Ah, oh, moi, je suis pas photogénique. On va le faire, ton portrait. On va le faire. On veut le double, par exemple. Oui, oui, vous allez les avoir, ça, c'est sûr. J'ai bien la misère avec ça, les photos. Mais... ça sera pas long, puis ça va être bien beau. OK, on bouge pas. On sourit. Jette, une minute! On va être dans le portrait. Il fait un portrait? Oui, prends-les, ton portrait. OK, OK. Monsieur Pâté, le tassez vous donc sur votre gauche, sur le bout du hood. Tu vas-tu me voir? Nelson, je te cite. Oui. OK, on bouge pas. Il est en retard, le verre. Tu l'as jeté à toi et moi, ce magasin-là? Hein? Je l'ai feuilleté l'autre jour. Une pitonne. Un petit cul qui lance des roches aux soldats. Ou une pitonne. Un fou dans un asile. Oups, une fille tout nue. Bang, un billet frais avec la bédaine en ciment. Ils ont le cul entre deux chaises là-dedans. Ça commence à voir des filles tout nues, je te rappelle pas. Justement, je l'achète pas pour les filles tout nues. Ah, calvaire, ça y me semble. Hypocrite. Parce que t'es trop gêné. Ça, c'est un magazine cochon pour le monde qui veut avoir l'intelligence. Lève là! C'est que t'as de bon, matin? Tu le sais, ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux? Envoie-nous mon argent, matin! Non, je te paye pas, valeur. Bon, mais c'est toi qui y offre. Hey, wow, minute! Je vais pas payer pour lui, moi. Oui, j'en bois avec un café. Je suis content, Tatière. Je fais la pâte cassée, c'est bon, rien. Hey, enfant malade, vous maudire. Commence pas, matin. Je crois que tu, Gaston. Ah ouais, faut que je mange le cigare maudit. On fout malade, toi, tu vas travailler pour tes 30 sous. Toi, d'abord, donne-moi 30. Ah, je n'ai pas de 30 sous, Dan. Où t'en as, là, dans ta main? Ah, non, j'ai juste des 25 cents, pas de 30 sous. M'en dis à lui, il en a plein. Oui, juste 30 sous, plein. Ah, c'est assez, là, Dan, tiens. Ah, merci. Ah, merci. Ouais, Dan. Garde la fille, Oh, Christ, c'est gros, Dan, c'est assez. C'est bon, les gars, come on. Dan, lâche-toi pas, je vais t'acheter tes cigares. Fini, mais le système de son, il vaut ça à lui de ça. C'est qui? T'aimes ça? Ça s'appelle Andy Just. Man, this guy can cook. C'est your geese brother. Sais-tu d'être mon ami, lui, là? C'est notre nouveau bassiste. Ah ben, j'espère qu'il est plus vite sur la base quand t'es deux oreilles. Il reste gas, là. On va le back. OK. Moins de gaz, puis 4 points de On passe à go, Guy. Tu commences à 6 heures. Oh, oui, je vais être là. Niaise-moi pas, Tigui, là. Je veux pas rester collé ici, t'asseoir. Toi, c'est moi, Jean. OK? Salut! Salut. Oui, bonsoir. Ce serait pour savoir si le groupe Delta Blues Band joue chez vous à soir.
Oui. Est-ce que ce serait possible de parler à l'harmonicien, s'il vous plaît? Hein, t'as de l'air à avoir du fun, mon Guy? T'as-tu vu l'heure? T'es un beau menteur. Enfie-toi sur moi, mon régent. Ben oui, il me semble que tu savais pas que tu vas asseoir. Non. Non, non, tu montes pas sur le stage, tu montes dans ton champ et t'arrives ici tout de suite. Guy? Guy, raccroche pas. Guy! Oh, mon tabarnak! Je vais te les faire avaler une par une, tes harmonicas. Qu'est-ce que tu fais, Sty? T'es bien slow. Excuse. Combien? 5$. Pas du bon bord. Je sais. Tu fermerais-tu ton moteur? Non. Hey, c'est Régent ton petit nom, hein? C'est laid en tabarnak. Hey, Régent, fais pas comme quand tu vas aux toilettes, là, t'attends pas d'avoir rangé ton outil pour échapper à la dernière goutte. Ça, 5$. Marque-le sur mon compte. Un, t'as pas de compte ici, t'as juste des factures pas payées. Puis deux, si tu voulais du crédit, mais tu le dis avant, pas après. Le boss, il me fait crédit. Ah là, c'est moi, puis t'en fais pas. Hey, tu me niaiseras pas, toi. T'as dit de me marquer, je vais repasser payer. Non. Hey, t'es un tabarnak, toi. Qu'est-ce que tu vas faire si je m'en vais? M'en appelle la police, moi, dire que t'es parti sans payer. T'es bien tête dure. XDE119. Ah ouais, vas-y, fais-moi plaisir, sauve-toi. Je t'ai dit de le marquer, calvaire. Hey, tu m'as demandé 5$, je t'ai émis à cette heure, tu payes. Fais-tu une volée? Ah oui. Ah oui, viens-t'en. Hey, Coyote, il veut des tapes sur la gueule. Hey, toi, tu rentres dans ton champ, tu ne mêles pas de ça. Hey, Coyote, slack, c'est le boss. Toi, Bioyo? Ben non, voyons, on parlait. Vous, ça va, boss? Ça va. Hey, boss, votre fils, il veut pas me faire crédit. La pile de facture commence à être vraiment épaisse, Bioyo. Ah, ben, je vous ai jamais volé, boss. Non, mais quand ta pile est épaisse, t'as tendance à faire des détours pour pas passer près du gas bar. Hey, j'en passe que les restos aussitôt que j'ai mon chèque, là. C'est promis. Man, mardi, je vous paye. Combien? Juste 5$, boss. Crise de visage à deux faces. Fais le tour avec ton père, hein? Ah oui, c'est quand même petit cul. Tu commenceras pas à te battre avec ces gars-là. On parlait. Ah ouais, je suis pas aveugle, man. J'arrive sur le terrain juste à temps, OK? Mais là, il nourrit en pleine face. Tu sais bien qu'il viendrait pas payer mardi son chèque, mon cul. C'est comme les autres, ça. Hein? Quand ils ont de l'argent, ils vont gazer ailleurs, puis quand ils sont cassés, ils viennent chercher du crédit ici. Nous autres, on est là, on dit rien. Ah ouais, on marque. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent? T'as pas d'argent? Va-t'en au Champlain, ils font crédit! Oh, ce qu'ils disent, puis ce qu'ils pensent, là. Ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Ça fait 15 ans que je tiens la place. Je devrais savoir comment m'arranger avec les bombes du coin. T'en penses? Comment ça se fait que Guy est pas ici? Ouais, là, j'ai oublié de t'avertir, il m'avait demandé de le remplacer à soi. Donne-moi deux crevenets. On va chercher deux petites danseuses dans Charlevoix. J'ai pas envie de manquer de cigarettes en chemin. Hey, tu lâches jamais ton harmonica, toi. Elle est comme ma vissée, là. Je pratique. Alors, joue-moi donc dans ta patente, là. Ah ouais, ah ouais.
Pas de la musique de club, ça? Non, mais c'est beau. C'est la 9e de Beethoven. Ouais, style Radio-Canada. Hey, moi, dire une affaire. Toi et ton frère, vous êtes pas à votre place pantoute, ça. Vous êtes trop bright devant du gaz. Faut que je prenne ça comme un compliment? Non, je vois clair. Toi, là, si tu voulais t'acheter un auto qui a du bon sens, je pourrais te donner une run comme la mienne, c'est Bartopless. Puis toi, tu serais bon là-dedans, parce que t'en as dans le coco. J'imagine que c'est pas même compliqué d'aller chercher des danseuses puis de les ramener chez elles à la fermeture des bars. Tu sauras que ça prend du psychologique avec ces filles-là. Merci pour l'offre, mais je pense que je vais passer mon tour. Tu rates de quoi? C'est payant. Et les petits à côté? Tu penses-tu qu'elles sont straight, les plots, quand t'as monté sur le stage? Chris, ils ont le nez plein de poudre, puis moi, je l'ai fourni. T'as un bon sideline. Pas fou, mon oncle Bovin, hein? Ben wise. Là, toi aussi, musicien, ça ouvrait un petit quelque chose avant de monter sur la scène, hein? Mais voyons donc, c'est des histoires, ça. Ah, hey, Chris, je viens pas faire l'enfant de cœur avec mon oncle Bovin. Tu peux me le dire que t'en prends de la drogue, hein? Ouais, tu l'es, tu l'es. Chris, t'in. Moi aussi, je suis à mode. T'en veux-tu? Non. Regarde, si tu connais du monde qui en cherche, envoie-moi les. On te donne une cote. Ouais, fait que comme je te disais, si tu veux des bons billets pour la boxe, appelle-moi. Faut que j'aille moi là, là. Salut, Gaston. Salut. Petit feu, Guy. Ah! Hey! Mais c'est ça, moi! Si jamais j'apprends que tu fais de quoi avec le bonhomme Boivin, je te casse le bras, OK? OK, OK! Je l'ai pas, Guy. Je veux pas vous voir frayer avec des crosseurs. C'est beau, monsieur Saron. 5 ans. T'as assez de misère, pompiste. Tu vas pas long feu comme crosseur. C'est pas compliqué. Il a enlevé le gun des mains et il l'a battu avec. Pif, paf! C'était pas beau à voir. Il a bien fait en esti. Ouais. Là, Régent, il essayait d'y enlever la tête d'Henri de la tête. Mais là, le bandit s'est sauvé en tabarnouche. Les gars du coin sortaient. Pourquoi est-ce qu'on a rempli encore la maudite paperasse? Il doit pas être bien loin, là, aller donc le chercher dans les rues autour. Ah, ça, c'est sûr qu'il est pas bien loin. C'est pas les bandits qui manquent dans le coin. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait trop hold-up dans le dernier mois. On va passer plus souvent dans votre coin. Votre gars a bien fait ça, boss. Le bandit est rentré avec son gun pendant que Régent passait à mort. Il a dit, donne-moi le cash. Là, mon Régent, il a fait ni une ni deux. Il a soigné à mort en pleine face. Là, les trous pour les yeux dans la tête d'Orient sont ramassés sur le côté. Le bandit ne voyait plus rien. Là, mon Régent, il a enlevé son gun, puis ils se sont battus. Il va falloir parler à votre fils, monsieur Rochu. Ça aurait pu mal virer. C'est chargé. Prêt à tirer. Merci, François. Tu vas avec toi les clients en 5 minutes. OK, boss. Qu'est-ce qui t'a pris pour l'amour du ciel? Engueule-moi pas, OK? Je t'engueule pas, je veux juste comprendre, Jean. T'avais combien dans les poches? Jean, combien? C'est pour le 800$. Puis tu vas te faire tuer pour 80$ qui t'appartiennent même pas. Me semble que j'ai toujours été clair là-dessus. Ils disent hold up. Tu sors l'argent, puis tu donnes l'argent. C'est pas compliqué, tu la donnes, l'argent. J'ai des assurances pour ça, moi. Oh, yes. Dernier hold-up qu'il y a eu, tu l'as même pas déclaré. C'est toi qui l'as payé de ta poche pour faire monter tes primes d'assurance. Ça, c'est mon problème. Chris, on se fait voler par tout le monde. Tu gagnes pas d'argent, c'est toi qui payes faire rouler cette place-là. Qu'est-ce que t'as dit? Criff. Oh, c'est pas ça que j'ai entendu, moi. Non, j'ai pas dit Chris, j'ai dit Criff. Tu sais qu'ils sont nerveux puis drogués quand ils font leur coup. Ils peuvent tirer sans vouloir. T'es bien plus intelligent que ça, les gens, non? T'es écœuré de faire rire de nous autres. C'est simple, moi, je veux plus laisser personne te faire du trouble. Tu fais du trouble à mon père, tu le voles, mais tu vas passer par moi avant. C'est une question de respect, ça. Non, là, là, t'es fatigué, tu dis n'importe quoi. On n'a jamais marché à taper sur ma goulée à ta maison. T'aurais pu mourir. Massacre. T'as une rage en dedans de toi, Régent. Ça fait peur.
tenter quelque chose avec toi pour que tu sois triste de même. On dirait que t'es pas heureux. Non, je te veux pas, je veux juste s'arrête. Quoi? Tout. Ça veut dire quoi, ça encore? De rien. Je t'aimerais, Jean, puis je veux pas qu'il t'arrive de mal. OK. Pardon, l'asile de Sainte-Clémenté. C'est joyeux. C'est ça, comme ici. Essayez d'y enlever la tête d'oreiller de sa tête. Ah. Son gros 12 avec le canon scié, c'est ça? Hein? C'est un fou, ce gars-là. Moi, il m'a déjà hold-upé deux fois. Toi, tu es la première ou la deuxième? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'était bien bête. Depuis quand tu t'intéresses à ce qui se passe ici? Chris, es-tu en train de me traiter de sans-cœur, toi, là? C'est le chapeau de fer, porte-les. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Régent, pour que tu m'haïsses de même? Le monde pas fiable me fait chier, Guy. Ah, c'est ça. Toi, t'es monsieur parfait, puis moi, je suis fuck-all. Regarde, Guy, j'étais bien avant que t'arrives, là, j'ai pas le goût de t'entendre. De toute façon, je le sais pourquoi t'es là, c'est écrit gros comme un autobus dans ton front. Tu veux que je te remplace à soir parce que t'as un autre astide spectacle? Ben, j'en fais pas de double aujourd'hui, Guy. Tabarnak. C'est bien que si je pouvais faire autrement, je te le demanderais pas. Je suis pogné, Régent. T'es toujours pogné, Guy, puis chaque fois, c'est moi qui fais tes shifts. Tu penses que je t'ai une astide d'épée qui a pas de vie, hein, Guy? Dans ta tête, là, je suis rien qu'un cave qui va servir du gaz toute sa vie. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Guy. Moi, avec, je t'ai écœuré du gaz bord. La seule différence, c'est que moi, je pense égoïste puis colisser mon camp sans rien dire à personne. C'est beau. C'est bon. Bien, mange de la merde, OK? Tu m'en demanderas des services, moi m'en rappeler. Commence donc par te rappeler, tu commences à 6 heures, puis ça va être bien correct. Je vais continuer à jouer à l'employé du mois, là, on va mettre ton portrait sur le mur. Hey, man, ton bill, il est plein de trous. Tu dois m'en donner un, eux. Tu dois mettre des boules à mettre dans tes poches. Salut, les gens. Salut, Johnny. Les gardes frontières ont dû se résigner. La foule savait que le gouvernement avait ouvert les portes. On a dû laisser passer ces gens qui, dans une atmosphère de fête, choisissaient l'Ouest. Les choses changent, on ne peut plus rien prévoir. Encore une fois, un peuple a forcé un régime communiste à prendre le chemin des réformes. La situation évolue très vite ici. L'Allemagne de l'Est bouge. Raymond Saint-Pierre à Checkpoint Charlie. L'ouverture du mur marque ainsi la fin d'un autre symbole de la division de l'Europe, hérité... Ouais, ben si je fais assez de type à soir, moi, je m'achète un billet d'avion puis je suis là-bas demain. C'est des malades. Ouais, là, ça fera pas grand changement avec ici d'abord. Fais ça, va laver des vitres si tu veux partir de l'autre bord. Mets-moi-en pour 3,5 piastres. Puis
Puis tu m'annonces ça à soir, là, vite demain. Mais là, c'est pas moi qui ai décidé quand est-ce qu'il ferait tomber ce mur-là, pas. Tu viens me dire qu'est-ce que ça va te donner d'aller manger de la misère dans un autre pays? Et c'est un événement historique, puis je vais être là pour la photographier, c'est pas plus compliqué que ça. Deux mois, puis je suis revenu, là. Regarde, Nathalie va faire sa part, puis... Mais tu pourrais engager Tippit. Jean Tippit, il y a de la misère à compter jusqu'à 10. Puis moi, j'aime ça. Renez ma place avec mes fils, c'est ça que j'aime. Ah ouais, puis nous autres, là-dedans. De toute façon, là, je... pas pourquoi on continue à parler de ça, hein? La décision est prise. Tu me souhaites-tu bon voyage? Ben oui. Ben oui, oui. Ben oui, bon voyage, ben oui. Dormais pas? Non, pas encore. Penses-tu que tu serais prêt à ouvrir tout seul demain? Là, ça fait 3 ans que je le fais avec toi, là. J'ai tout de quoi faire. Je vous l'avais dit de pas commencer avec donner à manger. OK, là, hein, tu gardes pas ton argent, mouton. Tu classes ta pile comme je te l'ai montré. Hein? Les deux avec les deux, les cinq avec les cinq. Hein? La face de la reine, toujours du même côté, à l'endroit. Non, essaie de pas faire ça devant les clients. OK? Puis là, OK, tu gardes jamais d'argent sur toi. Hein? Tu en mets le plus possible dans le safe. Oui, mais gars, là, je vais être en retard. Là. OK, je vais être rejoindre vers midi. OK. Cours pas trop autour des pompes, là. Régent est parti à Berlin.
On va fumer. Ça fait passer un petit 10 minutes. Tiens. Là, je fume pas, monsieur, ça va. Hop là, c'est vrai. T'es avec moi, là. Pas besoin d'aller fumer en cachette dans les toilettes, hein. Pourquoi je me cacherais? Je fume pas. Menteur comme tes frères. Ça me va pas impliquer que tu fumes. Tiens, ça, toi, là, je le dirai pas à ton père. Hein? Mais t'en veux-tu ou t'en veux pas, là, je passerai pas la journée là-dessus, moi. OK. Oh, tabarnak, je le savais. Tu fumes, mon petit verre, là. Mais si tu veux t'encrasser, achète-toi-en, t'en auras pas de moi, certain. Je le savais. Je le savais. Mais vous allez pas le dire à mon père, à M. Savard? Peut-être. Moi, c'est pas arrivé? Non, pourquoi? Je vais donner rendez-vous à 10 heures. Allez, mon homme, chercher un café au dépanneur. T'en veux-tu un, toi, Gaston? Oui, non. Mais qu'est-ce que tu fais là, tu pites? C'est qui? Non, mais là, je travaille. Faut que je m'occupe des ponts. Je peux plus m'occuper de tes commissions, là. Oh, Colus! Excusez-moi, monsieur le pompiste. Néo. Demande-tu à Guy et Régent, toi, d'aller chercher tes cafés? Bon, mais là, ça va être la même affaire pour moi. Correct, Alain. Tu peux y aller, je vais surveiller les pompes. Prends-en un pour ton père aussi. Ça s'est bien passé, Alain. Oh, c'était pas mal tranquille, là. Il parle mental, lui, Gaston, là? Non, non, il est pas pire. Faudrait pas que ça se gâte comme son frère. Calvaire! Voyons donc! Les manches sont bien trop longues. Oui, mais ça se trouve, les manches. Ben oui. Pas du monde aujourd'hui. Que toi des pompes. T'as pas l'air de bonne humeur. Mais tu sais pourquoi? Ben voyons, tu perds. Non, mais je suis meilleur que lui, tu me fais même pas confiance. Je te fais confiance, mon homme. Helper de luxe, puis tu le sais, ça. C'est ça, je suis ton helper. Ça veut dire que j'aurai jamais mon shift à moi tout seul. Ben oui, mais là, t'as 14 ans. Le quartier est bien trop tough pour que je te laisse travailler tout seul. Non, non mais je comprends pas, le père. Moi, je pensais que tu voulais avoir juste tes gosses à la job. On t'aurait venu, là. C'est pour ça que t'es là. Non, mais c'est pas la même affaire. Je suis tout le temps avec toi. J'ai besoin de tes mains. On arrache quand t'es pas là. Je serais capable tout seul? Ben, je sais, ça. OK, regarde. Tu vas continuer à ouvrir tout seul. Puis moi, je vais aller te rejoindre vers 10 heures. Correct? Je sais que t'as demandé à M. Savard de me surveiller, hein? Ouais, là, je joue pas à l'enfant, hein. Vous l'avez bien plein. Je l'avouerai vite comme faut.
Combien? 25 juste. Il n'aurait pas dit chier plus le type. Non, monsieur Boivin, non. Elle devait être chaud dans le vieux, il doit être assis sur le bananier avec sa caisse de 12. Faut que j'arrive, crie que là, je la chaîne après ça, t'as ça aussi. OK. Oh, tu coques. Ah, lâche pas, mon ski. Tu calcules vite, mais tu balanceras jamais. Oh, won't you come? Va pratiquer tes chorégraphies là, OK, tu peux? Oh, won't you come? Calvaire, que t'es colombe. Premièrement, ça veut absolument rien dire, mon autre coke. Savais-tu que tu rendais n'importe quoi? Ah ouais, c'est quoi d'abord? Un mot chocop. Un quoi? Oh, chocop, c'est ça, il me parle. Ça veut dire? Je t'ai branlé, quelque chose comme ça. Hein? Je t'ai branlé. Je t'ai branlé. Eh oui. Elvis, tu t'es branlé. Mange donc de la merde, ça tient pas debout de ton affaire. Qu'est-ce que tu connais dans Elvis, toi, tabarnak? Je suis musicien, je sais. Mais tu vas te dire une autre affaire? Elvis, il a jamais écrit le maudit tonne. Ah, ben moi, dans mon livre à moi, là, t'es juste un pompiste qui fait de l'asthme dans une ruine babine. Hein? T'es loin d'Elvis, en esti. Je vais mettre un écriteau pour dire qu'il y a trop de pression dans les voyous. Je sais pas pourquoi il dit ça. La plupart du monde dans le quartier savent pas lire et écrire. On pourrait mettre un dessin? Comment tu dessines ça, toi, un problème de compresseur? Pas spécialiste. Je sais lire, moi. Monsieur, c'est lire, c'est écrit, mais je vais travailler de sa vie, par exemple. Bon, une minute. Je suis déjà livré des cafés pour le dépanneur. Et Chris doit être fatigué, c'est toi. Le pont de Glinecke, qui relie Berlin-Ouest à Potsdam, a lui aussi été ouvert à la circulation. Et signe que le vent de changement ne se en Bulgarie. C'est beau game. Bonsoir, boss. 5$ d'ordinaire. Peux-tu arrêter le moteur? Ben, non. La batterie est bien faible, il est dur à starter. C'est sûr que c'est pas facile quand on n'a pas été clé, hein? Ben voyons, boss. Bonsoir, Nathalie. Salut, Jocelyn. C'est beau, hein? C'est à toi, Charles, Jocelyn. Pourquoi tu dis ça, ce ton-là? Je viens de l'acheter. Ça doit pas faire longtemps, t'as pas encore les plaques. On dirait que tu me cries jamais, Nat. Bon, je vais revenir vous payer bientôt, boss. J'ai une petite commission à faire. Attends. Wow, Jocelyn, mon char! Excusez, monsieur Savard. Tu dors, le jeune? On rit, là, mais c'est pas drôle d'être fatigué. Moi, je suis chanceux. Même quand je dors, je me fatigue pas. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je dis que même quand je dors, je me fatigue pas. Donc, j'ai juste une gang d'ignorants. Il y a du monde qui se fatigue en dormant. Mais voyons, Joe, tu peux pas être fatigué, t'as jamais travaillé de ta vie. Non, ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, Joe, m'ennuie pas. T'es né à deux coins de rue de site, puis t'es jamais sorti du quartier toute ta vie, puis on t'a jamais vu travailler. À l'autre jour, il me demande pour un lift à maison. Ben, correct. Mais une fois dans l'auto, j'ai dit que je l'emmène avec moi faire une livraison dehors de la ville. OK! J'ai dû voir ça. Là, mon Joe, il s'est mis à pomper l'air puis à jouer après la poignée de la porte en sacrement. Premier lumière rouge qu'on pogne. Il ouvre la porte puis il sort en criant « Hey, il faut que j'aille au dépanneur, on se verra plus tard. » Pas vrai, Joe? T'avais peur en crise de sortir du bout.
Je saute sur ton char parce que tu vas tellement vite que j'avais peur qu'on ait un accident. C'est bien toi, ça. Tu portes bien ton nom. Un vrai petit Joe connaissant qui parle de tout, qui connaît rien. Hey, quand t'auras un permis de conduire, tu viendras me montrer comment tu chauffes ça, un char. Rien à faire, par exemple, on t'entend jamais parler. C'est les femmes. On t'entend trop parler aujourd'hui. Ouais, on sait bien. Ça t'intéresse pas, toi, les femelles. Tu préfères ton journal. Ben oui. T'es gars, je t'ai jamais fourré, toi, Joe. Tu dis rien parce que c'est vrai. La seule fille tenue que t'as vue, c'était une feuille de papier. On t'a jamais vu avec une femme. Gaston, toi, tu le connais depuis 40 ans. L'as-tu déjà vu avec une blonde? C'est correct, là, change de record. T'es puceau, mon Joe. Pas vrai, ça? T'en as-tu déjà embrassé, là, au moins? Hey, ta femme tue ta gueule, là. Gaston, laisse-les répondre. D'habitude, il y a une opinion sur tout, mais là, parle pas fort fort. Si tu veux pas passer ta vie à faire du five finger solo, faudrait que tu sortes du quartier pour tomber sur une femme qui te connaît pas. Mais t'as trop peu. Va donc au chien. Hé, là, ça va faire, là. Va-t'en, là. Puis tu reviendras quand tu seras calmé. Voyons, ben, c'est calé, c'est juste pour s'amuser. Moi, là, tu m'abuses pas pantoute. OK? Puis du sacrage, tu le sais que j'en veux pas ici. Si t'es pas capable de t'exprimer comme du monde devant des enfants, viens plus. OK? De toute façon, j'ai une livraison à faire. Merci bien. Merci. Allez, allez, va rattraper Joe. Dis qu'on lui a reçu une lettre de l'agent. Salut tout le monde. Comme promis, vous allez être les premiers à voir mes photos. Alain, tu les ramènes à la maison. Ça fait seulement une semaine que je suis là, puis ça va vite en maudit. On sent qu'une page de l'histoire est en train de se tourner. Les Berlinois viennent voir le mur pour se convaincre qu'ils rêvent pas. Il y a une ambiance de party dans toute la ville. Je suis content d'être ici. Je suis allé à la fête le soir où ils ont ouvert le mur à la porte de Brandebourg. Il y avait du monde de partout sur la planète. Je me suis fait une blonde. Elle s'appelle Erika. Je l'ai connue au bar où elle travaille. J'habite maintenant chez elle. Là, c'est vous êtes jaloux de moi, puis vous avez bien raison. Erika m'apprend des mots d'allemand. On fait des promenades. Je rencontre ses amis. Il y en a un qui me passe son laboratoire. Ce monde-là veille tard en maudit, par exemple. C'est rough sur le portefeuille. Je vais commencer une série de photos, c'est Peak Hour. C'est le nom qu'on donne au monde qui viennent fesser avec un marteau pour avoir des morceaux du mur. La dernière photo est pour toi, Joe. C'est mon coin de rue. C'est dans un quartier qui s'appelle Kreuzberg. À bientôt. Réjean. Enfant malade de fripper du volant. 55$, M. Savard. C'est un bon deal, non? Tu vas te tuer avec ça. Il n'y a plus rien de bon là-dessus. Mais je suis sûr que vous êtes capable d'arranger ce qui presse. T'en fais, moi. Pourquoi t'es pas venu me le montrer avant de l'acheter? Eh oui, mais je vous le montre, là, M. Savard. Là, il est trop tard. Tu t'es fait fourrer, tu vas aller me porter ça direct à scrap. Tu te donnes pas, Guy. Oui, mais moins minute que la dernière. Ah, les gars, là, faut que j'aille aux toilettes. Alors, je suis sérieux, Guy, là. Pas que tu te promènes avec ça, c'est trop dangereux. Non, mais c'est pas si pire que ça, là. Les brakes sont encore bons, il y a des bons pneus. Tu viens de m'acheter de l'ouvrage, hein? Ouais, c'est ça. Va me chercher deux pains d'huile à transmission, hein. C'est du char, ça, M. Savard? Je pourrais même pas l'accrocher, Chris.
pour les sièges, puis je vais récupérer les 155 piastres. Ouais, ouais. Vous avez pas le ticket de beau. Ah ouais, j'en ai. Puis lui, il est là, il nous regarde, puis il rit. Maudits enfants. Un petit peu de tort. Ouais. C'est parce que tu prends pas le bon angle, là. Mon support, il est trop mou. Faut tirer un petit coup sec. T'as l'air de savoir de quoi tu parles, hein, Michaud. Bon, là, torsez-vous, je vais péter la vie. Hey, hey! Au flot, c'ti! Ah, c'est correct, c'est correct. Comment l'occuper? Sti, ça fait de la meilleure qu'il est là. J'espère qu'il va me chercher un chip. Non, mais là, j'aimerais ça essayer, moi aussi. Ben, tu auras une autre fois. Ah. On va m'asseyer, moi, boss. Je veux que le steering, c'est madame. Chip. Oh, mais j'ai pas au ketchup, c'est correct. Ouais, c'est correct. Oh, oh. Oh, les beaux yeux. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que j'ai pour toi, là? Oh. Viens voir le piton. Oui, oui, oui. Oh, tiens, c'est ce piton. Oui, oui, ma belle. Oui, oui, oui. Ah, ben, ben. Oh, yes, sir! Oh, 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 super, pour l'amour, tu vas me rendre fou. C'est quoi, cette manie-là? Oh, l'émotion de voir le baseball. Ah, t'es qui serait ça chez Valium, mais ça serait pas là. Genre de votre gars, boss. Il est où? Je sais pas, boss. Un petit chum de Chicoutimi qui m'a appelé pour que j'aille chercher le char dans le parc des Laurentides. Quand est-ce? C'était une vite. Vous ne voulez pas vous inquiéter? Avez-vous des nouvelles? Pas tout. Il est parti faire de la musique. Il dit jamais où, petit maudit. Combien je te dois? Ah, c'est correct, boss. Je crois que c'est une autre fois, là. Je le mets où? C'est le bord de la clôture. Il doit être correct, tu sais. Je pense que sinon, il aurait appelé. Je comprends pas comment vous réfléchissez, vous autres. Bon, écoute, laisse-toi. Tu vas t'occuper des pompes, puis moi, je vais aller appeler aux urgences puis à la police. C'est pas la fin du monde, papa. Juste 3 heures, puis t'es sorti. Insignifiant. Faut que tu fasses un effort. Oh, comme mon bon Nathalie, là. J'ai 55 ans, j'aurai toute ma vie pour vivre une famille. Je sais quoi faire un effort, OK? C'est mignon d'envoyer ici pour faire du bricolage, puis tremper dans une piscine glacée. C'est pas du bricolage. C'est des exercices de motricité fine.
faire vraiment plaisir. Quoi? Trop petit gay. Je vais faire le tour de ces blondes, on sait jamais. Je viens de reprendre à midi. Non, je vais marcher jusqu'au gaz-bar. Pratiquer ma motricité. Il y a une lettre de Régent, boss. Justement, là, j'ai déjà mon lot de mauvaises nouvelles. Salut. Moi, ça va bien, mais je peux pas en dire autant de Berlin. C'est rendu fou raide ici. Le monde pense juste aux crises de cash. La réunification de l'Allemagne est organisée comme une vente de garage. On dirait que c'est pas la chute du mur qui compte, mais bien plus son effritement. Le support à graffiti, c'est ça qui se vend. Ils ont pas niaisé avec le POC. Ils ont grugé toute la surface du mur à hauteur d'homme en dedans d'une semaine. Là, son poignet pour gruger le deux pieds du haut avec des échelles. Ma lune de miel est finie. Je me suis engueulé d'aplomb avec Erika. Elle trouve que les Berlinois de l'Est amènent juste de la grisaille puis de la tristesse quand ils viennent faire un tour à l'Ouest. Ben, elle peut bien manger de la merde avec son nasty gang de blasés dans son nasty bar de parvenus. Moi, je suis pas capable de mettre les pieds là, ça fait que... Je vois quasiment plus Erika. On est en train de se perdre de vue correct. À part travailler à 3 heures du matin, puis quand elle revient, ben. Moi, je suis déjà parti faire mes photos, c'est peak hour. Eux autres, plus j'ai photographié, plus j'ai haï. Le rasti de pic-pic maker, le bruit des marteaux est en train de me rendre fou. Il arrête pas deux secondes, c'est fatigant en calvaire. Partout, tout le temps. Pic-pic-pic. Quand je t'aboute de l'insignifiant, je vais me reposer à Berlin-Est. C'est plus mollo. Puis la bière est pas chère. On est décevant, l'être humain, des fois. Dans le fond, la chute du mur veut peut-être rien dire. Salut. À bientôt. Régent. Qu'est-ce qu'il dit de beau? Je sais pas. Rempli de sacs, puis je comprends pas où il va en venir. C'est pas épais ce qu'il dit. C'est la façon qu'il dit. Il n'est pas dans son état normal, certain. Qu'est-ce que tu connais? Ouais, j'ai fait de la mécanique. Son carburateur. Chante, t'es dit, va t'acheter un carburateur, une escapière, amène-moi là à côté, va te le changer. Je vais faire quelque chose. Non, moi, je ne bois pas. Moi, j'ai dit dans la carburateur. Là, tu fais ça en tabarnak? Chauffeur doit pas être bon à voir. Je sais pas. Bonsoir. Papa? C'est un inspecteur. Je m'en suis pas rendu compte. Puis je l'ai lavé vite, sauf que j'ai pas demandé pour l'huile. Attends.
là, ben, il veut te parler. Bonsoir, monsieur. Paul Gobeil, inspecteur pour l'Est du Québec. C'est pas très impressionnant, monsieur Brochu. Ah non, mais c'est parce qu'il est jeune, il fait sa formation. Ah non, je parle pas de votre employé de 13 ans, je parle de ça. Ça donne pas une bien belle image de la compagnie. Non, écoutez, là, je comprends votre point de vue, mais c'est des gens qui viennent ici depuis longtemps. Je peux pas les empêcher, c'est des clients. Ils achètent cigarettes, liqueurs, ça. Justement, nous autres, on vend de l'essence. Regardez ça. Des femmes, des cigarettes. Il y en a un qui boit de l'alcool, là. Ça arrive fort. Tu croirais dans une taverne, pas dans une station-service. Moi, je vais mettre tout ce que je vois dans mon rapport, M. Brochu. Non, mais ils vont partir bientôt, là. Ah bon? Non, ça va pas du tout, là. Ça, c'est pas la première fois, puis ça change pas, là. Vous respectez pas les standards de la compagnie. On est obligé de laisser des chars accidentés. On dirait une vraie cour à scrap. Bon. Je vais me stationner sur le côté, là, puis je vais faire mon rapport. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Un inspecteur. Ah, mon Dieu. OK, les gros, ça va. Hey, wow, wow, qui mange la marde, l'inspecteur? C'est chez nous, ici, donc, on reste. Hey, on s'en va, puis toi avec. Ça, va. Soir, boss. Soir, boss. La cantine n'est pas passée? Non. T'es en retard, le verra. Et Guy, as-tu donné signe de vie? Mais là, la police cherche, là. En tout cas, ils parlent pas d'accident grave dans le journal. Là, il paraît qu'ils vont mettre des grosses ballons d'ingétérine. Quand tu vas fesser dans quelque chose, ça va se gonfler d'un chat. Hein? Je me demande qu'est-ce que ça va faire si, mettons, que tu fumes une cigarette. Ça va-tu faire péter la ballon ou bien si ça va te brûler la face? Ça, ils disent pas ça. Salut, ça va? Bon, je pense que je vais y aller, moi, là. T'es fâché, hein? As-tu vu ton auto, Guy? Qu'est-ce que tu veux que je pense? Excuse-moi. Je fais pas ça pour te faire de la peine, père. Il y avait un band de Chicago et ils m'ont demandé de rester pour 3 soirs. Il y avait plein de monde, je pouvais pas dire non. Pas de téléphone au Saguenay? Je sais que j'aurais dû appeler, mais ils ont décidé d'ajouter des soirs. T'es maudit pour de vrai, hein? C'est 3 jours qu'il dort pas. Je me prépare pour mon shift. C'est samedi passé que commençait ton shift. Il est trop tard. Mais voyons, père, t'es brûlé. Je vais faire des doubles le reste de la semaine. Non, non, tu feras rien pendant tout, Guy. Parce que tu travailles plus ici. J'ai fini de me faire chier les mains. Va jouer de la musique, va au Saguenay, va rejoindre l'autre à Berlin. Va faire ce que tu veux. Mais moi, je débarque de vos folies.
occupé? Là, pour le régulier, c'est 56,4, puis pour le super, c'est 59,7. 57, mais là, je peux pas coter ça. Je vais fermer boutique, ça. J'ai vu yo-yo gazé. Ah, c'est pas surprenant que ça marche, les libres-services dans le coin. Tout le monde est sur le VS dans le quartier. Fait qu'en remplissant eux-mêmes le char, ben, ils ont l'impression de travailler puis d'économiser. Ben vite, il va y avoir juste de ça, des libres-services. Pas vrai, ça, boss? Une explication sur tout, toi, hein, Joe? Ben non, c'est pas juste ça. Ils vendent le gaz moins cher parce que ça le coûte moins cher pour faire rouler la place. C'est vrai, ça, boss. Les employés, c'est tous des petits jeunes à 4$. T'es assis en arrière du computer, puis ça roule tout seul. Ah, pas peur, les kids, ils connaissent ça, l'informatique. Hein, moi, Alain? Ah, tout va marcher avec ça, ben vite. Là, laisse tu bien. Maudit que t'es innocent, Joe. Tu parles comme ton journal, toi, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Le quartier au complet vient ici. T'as même pas de char, toi, que t'es ici 12 heures par jour. Pourquoi? Parce que t'aimes bien mieux être ici avec nous autres au lieu d'être tout seul à la maison. Où c'est que tu vas passer tes journées quand ils vont remplacer la place ici par une petite boîte de 3 pieds par 3 pieds avec un enfant assis en arrière de ton Jésus-Marie d'ordinateur? Tu vas trouver le temps long, hein, mon Joe? Puis de place pour placoter, puis boire des cafés. Puis m'a dit une autre affaire. Calvette! L'air sort ben trop vite pour les baissiers à pédale. Je l'avais dit aussi de mettre un dessin pour avertir le monde. Alain! On va m'acheter une trip de bicycle. Ah, vas-tu passer la journée de même, elle? Fiche pas là, Saint-Crème! Viens! Ah ouais! Hey, poubelle. Poubelle neuve. Faut que tu fasses attention quand tu souffles. On va la souffler ensemble, on va te montrer comment appliquer ça. Faut pas que la péter à chaque fois. Là. Hein? Salut. Tu souffles, ça pète. Ça va mieux maintenant. Je suis plus chez Erika. Je me suis séquestré à Berlin-Est. Je me sens mieux de ce côté-ci du mur. J'aime les maisons, les faces, puis l'air ambiant. On dirait que tout est peinturé en gris. Le monde savent vivre à l'Est. C'est plein de petits vieux qui prennent le temps de fourrer le chien. Finalement, ça ressemble au gaz-bar. Ça durera pas longtemps, par exemple. Ils arrêtent pas d'ouvrir le mur partout, puis on peut pas empêcher le monde de venir nous déranger. Faudrait qu'ils arrêtent avec leur asti de marteau. Pic, 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 on les entend jusqu'ici. Asti qu'il faudrait pas que je m'en fâche dans une caisse de dynamite, moi, parce qu'il ferait pas chaud. J'aime ça de ce bar-ci, puis je veux pas que ça change. L'autre matin, j'ai voulu aller me raccommoder avec Erika. Mais elle était trop knock-out pour jaser. Je revirais de bord. C'est spécial. On est toujours sous, elle pis moi, mais jamais ces mêmes heures. On dirait que tout est vide de sens, ce style. Je suis plus sûr de comprendre ce qui m'entoure, puis encore moins ce qui m'habite. On me décommande. Je passe mon temps à taverne, puis j'écoute le monde jaser. Même si je parle pas allemand, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'ils sont en tabarnak. À l'Est, ils ont une fantastique impression de s'être fait fourrer d'aplomb pendant 40 ans. Là, du jour au lendemain, on vient de leur dire que le communisme, c'est fini, que c'était pas bon, que tout ce qu'ils ont fait pour le parti, c'est pourri puis honteux. Ils l'ont de travers en tabarnak, la chute du mur. Pendant 40 ans, ils ont mangé de la merde, surveillé leurs voisins pour les stouler pendant que leurs propres enfants les stoulaient à leur tour. Puis là, on leur dit qu'on passe à autre chose. Moi, je ne sais pas comment je réagirais si on me disait que ma vie avait servi à rien. Anyway, faut que je me trouve une passe pour que rien bouge. M'a tout figé ça là. Il fera pas chaud tantôt. Bye. Il va nous dire à Carrier. Facile, il claque des valves. Au contraire, la moitié des chars dans le bout claquent des valves. Ouais, t'es bon. OK, je te gage la pizza que t'es pas capable avec le char du livreur. N'importe quoi.
Dis donc, t'as-tu été à chercher en Italie? Puis, mon Hassan, c'est quoi cette minoune-là? Calvaire, j'ai jamais entendu ça. Donne-moi un indice. C'est un 4. Je sais que c'est un petit 4, si bon, c'est pas un indice, ça. Ah ouais, ouais. Ça vient d'Europe. Un Renault 12 qui sonne bizarre. Pas en tout, c'est une Volkswagen. Quoi? Wow, chier. Rabbit diesel, tu me dois 11 pièces. Ça compte pas les chars qui marchent diesel. Oh non, t'es un peu une gageuse, c'est une gageuse, t'as perdu, tu payes. T'es tricheur, c'est-tu? Ouais, mais toi, t'es crosseur. Elle est tombée à terre, cette pointe-là. Tu fais là, pas tombé. Oh, petit menteur. OK, un petit peu. Hey, c'est quoi ça, juste un peu tombé? Tomber, c'est tomber. Quasiment pas, je l'ai ramassé tout de suite. Mais pourquoi t'apprends pas, toi, de bord, hein? Asti que t'es chialeux, donne-moi là, je vais apprendre. Hey, je suis pas chialeux. M'a mangé ton asti de pointe, mais si jamais je tombe sur un petit caillou, là, il fera pas chaud. Montre-moi là encore. Montre-moi là. Ouais. Super propre, cette pointe-là. Hein? Petit pire, arrête de jouer au foot, moi, OK? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as échangé les pointes? Hey, t'es fatigant, là. Mange, je peux fendre ta gueule. Faut le bain plein. J'ai une maudite envie de pisser. Salut, Michaud. Salut, Nelson. Tout en train de se tenir la graine. Parfait. T'es fait, mon rat! Tu veux voler sur mon chef, hein? C'est ce qui t'attend? Hey non, les gars, je veux pas voler. Je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi. Mais je le ferai plus. Vous m'avez délivré de ma manie. Arrête de broyer, t'ajoutes à ton malheur. Combien tu penses que tu mérites pour ça? Mais non, les gars. Non, s'il vous plaît, non. Pas ça. Combien? Une demi-heure? Non, non, non. Une heure en quatre shots. Puis t'es mieux de revenir faire tes quatre shots, sinon on va le chercher chez vous devant ta femme puis ton gars, puis ils vont savoir que t'es un nasty de voleur. OK, Nelson. Tu trouves d'autres choses? Je suis comme mélangé qu'au fret. Oui. Ah ouais, ça va te rafraîchir les idées. Dites-le pas au boss, au moins. T'aurais dû y passer avant, oui. Non, il n'y avait pas de la pizza. Revue d'Ottawa ce midi. À quelques heures de l'ouverture du congrès à la direction chargée de trouver un successeur à Ed Broadbent, la nouvelle a donc donné la consternation au sein du FPD. Bill Meister, qui représentait sa circonscription de Yorkton Melville en Saskatchewan au Parlement d'Ottawa, a d'ailleurs annoncé qu'il démissionnait de son poste. T'as-tu perdu ton chemin, Coyote? Je te promène. Tu le dois. Mais va te promener par là-bas. Ben oui. Pour le FPD, nie sa culpabilité le 13 décembre. Et puis, une autre arrestation qui fera jaser. À Berlin, cette fois, la police a mis la main au collet d'un jeune Québécois qui tentait de reconstruire le mur, rien de moins. Régent Brochu, 28 ans, a été appréhendé hier soir après que des résidents eurent porté plainte. Le jeune homme, qui était visiblement sous l'effet de l'alcool, était seul au moment de l'arrestation. On ne connaît pas le sort qui lui sera réservé, mais les autorités canadiennes ont indiqué qu'elles avaient pris l'affaire en main. Brochu n'a pas d'antécédent judiciaire. Je vous aide et je ferai de la job pour vous autres. Ce mur-là, il faut pas qu'il tombe. This wall must not fall! Mais oui, je sais. Hey, Jean.
Là, l'ambassade canadienne l'a mis sur un avion. Il revient demain. Avez-vous vu ça? Hey! On aurait pu, là. Écoutez ça. Un ressortissant canadien, c'est Régent, un ressortissant canadien, a été arrêté hier alors que sous l'emprise de la folie... C'est correct, Joe, c'est correct. Là. Mais quoi? Pour une fois qu'on connaît le gars sa première page puis qu'il s'est pas un bandit... Pourquoi il est là, Régent? Pourquoi Régent, il est dans le journal? Parce que Régent, il est devenu comme fou. Il est pas fou, Régent. Il tient pas à boisson. Il a pas de quoi écrire à Ottawa. Donc, rends-tu, s'il vous plaît, boss. Il l'a pas en matin, Dan, s'il te plaît, là. Je viens faire un quart d'heure. Ben ouais, viens. As-tu des nouvelles de ton frère? Ouais, mon père va te chercher à Mirabelle demain. Ah, allez, moi des clés. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Mêle-toi pas de ça. C'est entre nous autres, Alain. C'est pour son bien. Dan, veux-tu faire en dessous? Assieds-toi là-dessus. Alain, viens. Faut que je t'explique une couple d'affaires. Elle arrête de me regarder de même pas, là, je suis pas fou. À te dire, t'as pas parlé brillant dans les journaux. Je suis parti sur une brosse de 3 semaines, puis ça a mal fini, là. J'ai perdu la carte, c'est tout. Pensais-tu vraiment que t'allais rebâtir le mur à toi tout seul? Hein, non. Pourquoi t'as fait ça d'abord? C'est un geste symbolique. Explique-moi, là, parce que là, je suis perdu. OK. Là-bas, tout le monde est sur le gros party, mais ils réalisent pas ce qui va leur arriver. Ils comprennent pas ce qui s'en vient. Puis toi, tu le sais. Regarde pas. Berlin, là, c'est comme les stations-service. À l'ouest, c'est gros libre-service moderne, puis à l'est, ben... c'est broche à foin comme ton gaz-bar. Puis là, c'est gros libre-service qui vont gagner, tu comprends-tu? Tu me prends-tu pour un imbécile? Tu prends tous ces détours-là pour finir par me dire ça. Le monde est en train de changer, puis moi, j'ai de la misère à suivre. Penses-tu que je ne sais pas ce qui me prend au bout du nez? Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de honte à pas vouloir changer si les changements font pas ton bonheur. T'es pas obligé de jouer leur game. T'en poses, t'es fatigué. Tu vois où tu vas, là? Au gaz-bar.
As-tu eu des téléphones? Ouais, deux. Vos directeurs veulent avoir de vos nouvelles. Pareil que vous foxez à tour de bras. C'est-tu là? Ben, il y a le directeur de la polyvalente qui veut savoir pourquoi Alain n'a pas assez court. Puis le directeur du centre de réadaptation qui veut savoir s'il doit laisser ta place à quelqu'un d'autre. Pareil que t'es jamais allé à tes rendez-vous. Ben là, t'en as un demain matin. Je vais aller te mener, puis je vais rentrer au gaz-bar. OK? T'as besoin de te reposer, toi. Non. Donc, toi, tu vas te reposer. Alain va aller à l'école. Puis moi, je vais rentrer travailler. T'as eu ça, le gaz-bar, c'est pour ça que t'étais malade. Je suis pas malade, je suis bien correct. Fais-toi-en pas, hein. Je vais repartir en voyage avant d'être à bout. Bonne nuit. Tantôt, c'est ça. Le roi du béton est de retour. Bonjour, M. Savard. Ça va pas que t'es adoué pour la construction en boisson. Bon, OK, on va tout de suite mettre quelque chose au clair, là. J'ai pas tout envie de parler de ce qui s'est passé là-bas. OK? Même pas de la fille? Quoi, la fille? Beau brin. Ah ouais, magnifique beau brin. Puis, c'était comment? Mais quoi, c'était comment? Elle fait pas l'innocent, ça doit être assez spécial, les Allemandes. Ah ouais, bien spécial. Elle parlait pas français, je parlais pas allemand, fait qu'on faisait ça en anglais. Hostie que t'es déplaisant. Oui, c'est vrai. Oh, watch-toi. C'est un inspecteur de la compagnie, ça. Ouais, puis? Puis il est pas mal sur le dos du boss. Je me demande pas si le niveau d'huile est correct, si j'ai besoin d'autre chose. Des fois, ça dépend, tu sais, on veut pas trop pousser sur le monde. Et vous poussez pas trop sur le ménage non plus? Ben ouais, regardons ça, un petit peu de poussière. Tiens, fais-toi plaisir. Je pense qu'on se comprend mal. Hey, t'as raison. Oh my God! Chaîne-moi ça! Hey. Ah ouais, flotte! Hey, t'es mieux de me lâcher parce que ton père va avoir du trouble, OK? Des menaces, ça. T'es-tu en train d'essayer de me faire peur? Moi, tu lis pas les journaux, toi. Je suis fou, moi. C'était marqué à pleine page. Tu sais pas que c'est dangereux, un fou? Non, oui. Arrive ici, maintenant! Arrive ici, maintenant, petit gars! Écoute-moi bien, Paul Gobeil, 122 rue des Érables. Mon père est fatigué comme c'est là. Si jamais tu y fais des misères, ben je vais aller te chercher au 122 rue des Érables puis je vais t'apprendre le sens du mot regret.
Et? Bof, pas grand-chose, hein. C'est pas mal mort. Il se passe jamais rien. Y a-tu du courrier? C'est quoi, ce gogosse-là? Céramique. Ça sert à quoi? Le cendrier. Je me suis dit que tant qu'à faire du bricolage, je vais faire quelque chose de pratique pour le gaz-bar. Puis je vais faire un gros cendrier. Peux-tu l'essayer? Oui, c'est pas ça. Ouais. Il va bien. C'est la folie au centre. Tout le monde en veut. T'as pu travailler la nuit s'il faut. Jésus, Marie-Joseph, je l'avais oublié, lui. Dan! Dan! C'est beau, Dan. Tu peux débarquer. Dan! Dan, salut! Je voudrais bien t'aider, mais je comprends rien là-dedans. Des mathématiques, ça. Ouais. On n'a même pas des tables de multiplication, puis... Hold up! Ah ouais, t'as moins de cash! Ah ouais, ah ouais! Swing l'argent, tu peux. Swing l'argent. Ah ouais, gros, le son, ta pile! Hey, c'est pas mal. Tu es forme ta gueule, c'est moi qui connais les gens! Non, non, non. Oh, non, c'est juste la police. Regarde. Tiens-toi de bout, tout le temps. Regarde. Sortez pas de vos chambres, mes hosties! On a un 0,54. Qu'est-ce qui se passe? Cayette? Toi, femme, ta gueule! Hey! Laisse-la aller, là. Regarde, on fait l'affaire. Regarde, je vais prendre sa place. OK? Je vais prendre sa place, moi. No way. OK, non, mais moi, je te donnerai pas de trouble, OK? T'es trop slow, boss! Laisse-moi prendre sa place. Hey, coyote, bâtard! Laisse-moi prendre ta place, OK? Non, 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 puis non! La pire personne bouge sacrément! Ah oui. Enlève-les de là. Là, on va sortir. Puis t'as besoin de marcher direct, que... Sors pas d'ici. Avec lui, non. Sors pas d'ici, avec lui, c'est pas vrai, ça. Tosse-toi ou Benoît, j'ai fait sauter la calotte. Move! Écoute, regarde. Hein. On va prendre mon char, OK? On va s'en aller, juste les deux, OK? Si vous le laissez aller, moi, je le remplace. OK, on s'envoie les deux dans le char. Ça doit être correct. OK, c'est correct, ça? Hein? OK. OK. Mais niaise-moi pas, boss. Oh. OK, tu vas être en arrière du comptoir. OK, tu bouges pas de là. OK? Tiens, garde. Je suis correct. On est correct. On sort, là! La police, Matt! Laissez-moi le passer ou ben non, je le tire d'abord. OK, tassez-vous! Reculez! Je le pète, là! Mal le passer, les hosties! Recule-toi! Là, on claire le parking, OK? Ben. Madame, envoyez-moi une ambulance après, si vous voulez se faire tirer. J'espère que j'ai pas de coup. Ça
Comment il file, Alain? Ben correct. Qui est tough, le petit juif. Si t'avais vu la grosseur du fusil, là, qu'il y avait en dessous du nez. Un enfant, ça. À quoi tu penses? À la liste. Quelle liste? T'as une liste, là, toi? La liste des fautes commises. Est longue. Voyons, papa. En veux-tu des fautes, m'entends donner? J'ai mis Guy à la porte du gaz-bar. Il est parti de la maison. Réjean était tellement à bout du gaz-bar qu'il est parti à Berlin pour virer à moitié fou. Puis aujourd'hui, ben, Alain a failli partir pour de bon. Une balle dans la tête. J'essaie de garder mes gars autour de moi. Ma job. Là, je les perds. Ouais. Viens voir André. Non, vas-y, je vais aller te rejoindre. Non, je vais pas te rester là à te morfondre puis à fumer tout seul dans le noir. C'est ça l'image que t'as de moi dans ta tête. Mais vu qu'il se morfond dans le noir. Pas en tout. Dans ma tête, je te vois toujours comme au Jeu du Québec. Jeu du Québec. T'en souviens-tu quand j'avais gagné la finale du 400 mètres? Moi, je savais même pas que t'étais venu me voir courir. Mais quand je suis sortie du virage pour le sprint dans le dernier droit, j'ai entendu mon nom. Puis je t'ai vu à l'intérieur de la piste. T'étais là, puis tu me criais, « Retourne-toi pas, ils sont loin, t'es toute seule, Nathalie, retourne-toi pas! » T'avais ton habit Champlain avec ta cigarette allumée. Je t'ai écoutée. J'ai couru de toutes mes forces sans me retourner. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti quelqu'un qui me dépassait sur la gauche. C'était toi. Tu courais avec ta cigarette dans la bouche, puis tu continuais à me dire, « C'est beau, Nathalie. T'es toute seule, ma belle. Tu vas gagner. » T'étais tellement contente d'y arriver avant moi. C'est sûr que j'ai fait ça. Ça, puis bien d'autres affaires. T'en as assez fait, papa. Arrête de t'en faire pour nous autres. T'étais la seule qui avait bon entraîneur, hein? Thank you.
hear the cotton in high. C'est rien, boss. Y a rien de bon à ramasser ici. Ça se peut. Mais si tu veux quelque chose, c'est à toi, Gaston. Hein? Faut aller vider le safe. Ça dépendait des jours. Quoi? Il y a des jours aussi qu'il y avait de quoi de bon à ramasser ici. Tu vas sûrement pas parler d'argent, toi, là. C'est un crème, non. On a quand même eu du fun en maudit, des fois. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on a ramassé une belle gang de fous malades ici. Essayes-tu de me faire pleurer, toi, là? Prendre ça, finalement. C'est bien correct. On se donne des nouvelles. C'est ça. Bonne nuit, boss. Bonne nuit, Gaston.
Puis ça, c'est bien vrai. C'est vrai quoi? Le boss a mis la clé dans la porte pour de bon. Mais voyons, ça se peut pas. Il peut pas faire ça. Ben, ça a l'air qu'il peut, il l'a fait. Ben, le monde est où un matin? Tu sais essayer au dépanneur? Bon, ben, ben. Just a perfect day. When it gets dark, we go home. Faut pas que. Il a lâché les émotions, il commence à faire des moves à cette heure. Just a perfect day. Animals and birds are moving. Later, moving to and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Keep me hanging on. What a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, such fun. Just a perfect day. Made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Keep me hanging on. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. Will you just keep me hanging on? Keep me hanging on. You're gonna reach just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're gonna reap.